Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Amalia Abelard. Bienvenue sur le podcast La Famille, en trois mots, puisque je fais allusion ici à trois notes de musique. La famille, le son dans tous ses états. Dans cet épisode, je vais continuer à vous parler de l'application Sweet Midi pour iOS. Alors, c'est le deuxième épisode de cette série. Donc, dans l'épisode précédent, je vous avais montré l'interface de l'application. Je vous avais montré aussi comment chercher un fichier MIDI et le lire aussi. Donc on a vu certaines fonctions du mixeur. Et puis on a vu aussi qu'on pouvait lire des fichiers parce que je vous avais fait écouter un fichier MIDI avec le synthétiseur interne de l'application. Et je vous avais dit qu'on pouvait aussi écouter ces fichiers-là, soit avec d'autres banques de sons de meilleure qualité, soit directement sur un clavier arrangeur ou un synthétiseur. Compatible pour la lecture de fichiers MIDI. Voilà, comme je vous avais dit dans l'épisode précédent, donc dans cet épisode, je vais vous montrer déjà dans un premier temps comment charger une banque de sons. Ensuite, je vous montre comment écouter un fichier MIDI avec un clavier arrangeur. Donc moi, en l'occurrence, je vais vous montrer comment écouter le fichier MIDI sur le Genos avec l'application. Et je vais, pour terminer, vous montrer qu'on peut utiliser Sweet Midi comme module de son. Voilà. Mais avant de vous montrer tout ça, puisqu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer dans l'épisode précédent, je vous avais dit qu'il y a des choses dans le mixeur qui n'étaient pas faciles à faire, parce que je vous avais dit qu'on peut interagir avec plusieurs choses dans le mixeur. Donc on peut contrôler le volume, le panoramique de chaque piste, on peut contrôler aussi la réverb, et puis d'autres choses. Bah, pour tout ce qui est volume, chorus, panoramique par exemple, pour régler ces choses-là, on utilise un curseur. Ce curseur, en tant que déficient visuel, c'est pas facile à l'utiliser. Mais je vais vous montrer sur une piste comment interagir avec ce curseur. Alors déjà, donc, on va utiliser le même fichier que dans l'épisode précédent pour la démo. C'est « Quand la musique est bonne » de Jean-Jacques Goldman. Et comme je vous avais dit, donc, il y a plusieurs onglets en bas de l'écran. Et en fait, nous, on va aller sur l'onglet « Mixeur ». Donc on va faire ça tout de suite. Je vais me déplacer par conteneur jusqu'à la barre d'outils « Aide ». Ajouter bouton, index de section ajustable, barre d'outils aide, bouton. Voilà, et en fait après on va aller à droite jusqu'à mixeur. Sélectionner, fichier, bouton, un playlist, bouton, mixeur, bouton, 3 voilà. Sur 4. Je valide. Sélectionner, mixeur, 3 sur 4. Je me remets au début de l'écran. Previous summit, bouton. Et par exemple, je vais chercher à contrôler la réverb sur une piste. Donc pour chercher les contrôles pour la réverb, on va faire une recherche voice-over. Donc là on va chercher réverb. Pour rappel, c'est CTRL OPTION F. Saisissez le texte à rechercher. Voilà. Donc, je vais rechercher Reverb. R-E-V-E-R-B. Entrée. Reverb Channel 68. Voilà. Et on va essayer d'interagir avec la Reverb sur le canal 2. Donc, le canal 2, c'est la basse, en fait. Je vais à droite. Reverb Channel 2, 0. Voilà, sur Reverb Channel 2. Et en fait, il a dit que la Reverb est à 0. Nous, on va par exemple essayer de l'augmenter jusqu'à 20. Alors là, pour ça, il n'y aura pas besoin de lancer le morceau, puisque de toute façon, là, c'est vraiment pour vous montrer comment interagir avec ce truc-là. Après, c'est vrai que si vous voulez un truc précis, par exemple, vous voulez régler d'autres choses, là, vous pouvez lancer le morceau. Mais là, c'est surtout pour vous montrer comment faire avec ce curseur. En fait, pour utiliser ce curseur-là pour la réverb, il faudra toucher l'écran deux fois avec un doigt, mais laisser appuyer la deuxième fois. Et ensuite, bouger le curseur à droite ou à gauche selon ce que vous avez besoin de faire. Mais par contre, il ne faut pas le bouger beaucoup. En fait, il suffit d'un millimètre vraiment pour bouger le curseur. Donc, je vais vous montrer ça, ce qui n'est pas du tout évident. Je vous ai dit qu'on va mettre le curseur à 20. Donc, je vais essayer. Alors, c'est parti. 0. Voilà, donc là, il a dit que c'est à 0. Donc là, on va à droite. 0, 6, 11, 18, 23, 15. Évidemment, il était à 23 à un moment donné. 20. Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'il était à 23. Je suis repartie un petit peu à gauche. Mais à un moment donné, c'est parti un petit peu trop loin. Donc, il était à 15. Donc, je suis repartie un petit peu à droite pour aller à 20. Voilà. Donc là, on va remettre le curseur à 0. 20. 0. Voilà. Mais comme vous avez pu le constater, c'est pas évident du tout à utiliser. Mais c'est faisable. Après, c'est vrai que quand on le gère bien, on s'en sort. Mais il faut être très précis dans les gestes. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, que j'ai oublié de vous montrer dans l'épisode précédent. Bon, maintenant, on va passer au sujet de cet épisode. Alors, ah oui, il y a autre chose aussi que j'ai oublié de vous dire dans l'épisode précédent. Je vais en profiter pour vous dire ça.
Je vous avais dit qu'on peut modifier un fichier MIDI existant. Après la modification, eh ben, on peut l'exporter soit au format MIDI, ou soit on peut l'exporter en audio. Donc vous choisissez la banque de son avec laquelle vous voulez mettre en audio, et puis vous l'exportez en audio. En audio, je pense qu'il y a du AAC, le format M4A, là, et du Wave, mais je ne suis pas sûre. Parce que je vous avoue, franchement, que je n'ai jamais, moi, exporté un fichier MIDI en audio dans l'appli. Mais je ne pense pas que ce soit faisable de faire en MP3. Je pense que si vous voulez le faire en MP3, à ce moment-là, il faudrait que vous ayez une appli qui permette de convertir les fichiers en MP3. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire avant de commencer à présenter ce que je voulais vous présenter dans cet épisode. Donc là, je vais vous expliquer comment on peut charger un son de fond dans l'application. Parce qu'il y a plusieurs façons pour charger une banque de son. Moi, personnellement, j'ai déjà des banques de sons d'installer, donc je ne vais pas installer vraiment de banques de sons supplémentaires. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer comment installer une banque de sons, mais je vais vous expliquer oralement comment on pourrait faire pour installer une banque de sons. Et après, je vais vous montrer comment chercher la banque de sons avec laquelle vous voulez lire votre fichier. Voilà. Donc en fait, pour charger une banque de sons dans Suite MIDI, vous avez un bouton qui s'appelle « Download ». Donc en fait, vous allez sur l'onglet « Fichier ». Parce que comme on a vu quand on a présenté l'interface de l'appli, il y avait, quand on était sur l'onglet « Fichier », alors je vais vous remontrer ça. Donc là, on va aller sur « Fichier ». Barre d'outils, aide, bouton, fichier, bouton 1 sur 4. Voilà. Sélectionner, fichier 1 sur 4. On se remet au début de l'écran. Bridge Sub, bouton. On va se déplacer avec le conteneur une fois. Ajouter, bouton. Voilà, donc là, vous avez « Ajouter ». Donc « Ajouter », c'est si vous voulez ajouter un morceau à une playlist, si vous faites des playlists. Et puis, si on continue, bar button download, bouton. On a bar button download. Voilà, donc ça, c'est en anglais. Donc, ça veut dire télécharger. Et quand on veut télécharger un son de fond, on appuie sur ce bouton. Annuler, bouton. Voilà. Et à partir de là, vous choisissez l'emplacement parce que, en fait, c'est la présentation de l'application fichier qui va s'ouvrir. Donc, il faut faire en sorte que la banque de son apparaisse dans l'appli fichier. En fait, la banque de son, ça peut se trouver soit sur votre iPad ou votre iPhone. Donc là, vous allez dans l'emplacement sur mon iPad. Soit si vous avez un serveur connecté à votre iPad ou à votre iPhone tel que PayCloud, Dropbox, etc. Si vous avez mis dans l'appli fichier, vous pouvez trouver aussi à partir de là. Vous pouvez trouver à partir d'un autre dossier qui est dans l'appli fichier. Enfin bref, voilà un petit peu comment vous pouvez charger votre banque de sons. Et alors, la banque de sons, en fait, elle est au format DLS. Ou SF2. Voilà, donc moi j'ai des banques de sons au format .sf2. Les banques de sons, vous pouvez les trouver sur Internet. Sauf que sur Internet, c'est pas toujours évident pour avoir cherché un petit peu. C'est pas toujours évident de trouver des sites avec des bonnes banques de sons, moi je trouve. Par contre, il y a le site de Rony Music. Rony Music, c'est en fait le développeur de Suite MIDI. On peut trouver quelques banques de sons à partir du site ronymusic.com. Alors, je vais vous montrer, en fait, je ne vais pas aller sur le site, hein, mais je vais vous montrer comment vous pouvez accéder sur ce site-là à partir des réglages. Donc là, je fais annuler pour sortir de la présentation de l'application fichier, là. Annuler. Voilà. Bridge Sub, bouton. Et on va aller dans réglages. Ajouter, bouton. Index de section ajustable. Barre d'outils, aide, bouton. Sélectionner, fichier, playlist, mixeur, bouton parole, bouton réglage, bouton. Voilà, je valide. Sélectionner, quand la musique est bonne, réglage, en tête. En fait, vous pouvez vous déplacer par en tête dans les réglages. Donc, vous utilisez le rotor pour aller jusqu'à en tête. Navigation verticale. Alors, si vous le faites avec le clavier AZERTY, pour rappel, pour rotor précédent, c'est flèche haut et flèche gauche. Et rotor suivant, c'est flèche haut et flèche droite. Donc là, moi, j'utilise le rotor précédent. Reconnaissance de l'écran. Atténuation son. Conteneur. En tête. Voilà. Et là, on va pouvoir descendre jusqu'à l'en-tête son. Achaïna. En tête, appearance, pharynx, barodie, playlist, appearance, mix, barodie, appearance, various, lecteur, en tête, son, en tête. Voilà. Alors, comme je vous avais dit, il y a plein d'options dans les réglages. Mais je ne vais pas pouvoir tous vous les montrer parce que ça prendrait des heures. Donc là, alors dans son, on va défiler, vous allez entendre ce qu'il y a. Type de sortie, logiciel interne du synthétiseur, bouton. Voilà. Donc, type de sortie, logiciel interne du synthétiseur. Ça, on va voir ça tout à l'heure, plus en détail. Fichier DLS barobie SF2, Fluidet 3GM, bouton. Alors là, le fichier DLS SF2 qui est sélectionné actuellement, c'est Fluid R3GM. Effectivement, c'est avec ça que je vous ai fait écouter le morceau quand j'ai terminé l'épisode précédent. On va valider. Affiché, en tête. Donc en fait, là, il m'a mis sur l'en-tête affiché. Donc on va faire défiler jusqu'à ce qu'on trouve parce que en même temps, ça va me permettre de vous montrer comment choisir une banque de son de fond. Donc là, ça sera une pierre deux coups puisque je vais non seulement vous montrer
comment changer de banque de son, mais je vais vous montrer aussi comment on peut accéder au site Rony Music. Donc je vais aller à droite. Sélectionner Interbuilding, nom du fichier, boot. Donc là, c'est quelques réglages, on ne va pas y toucher à tout ça. Donc je continue. DLS SF2 Files en tête. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Donc DLS SF2 Files. Default. Default, donc ça, c'est le synthétiseur interne. Arachno Soundfond, version 1.0. Alors, Arachno Soundfond, en fait, c'est une banque de sons de la marque Arachno. Sélectionner Fluid R3GM. Et Fluid R3GM qui est sélectionné. Voilà, donc en fait, c'est là que vous pouvez changer la banque de sons. Ensuite. General User GS Soft Synth version 1.44. Donc là, c'est une autre banque de sons, General User GS Soft Synth V1.44. Alors sur le site de Rony Music, j'ai trouvé quelques-uns et le Arachno Soundfond, c'était sur un autre site. Mais voilà, donc je continue. Explication en tête. Alors l'explication, je vais vous la donner. Le synthétiseur. C'est pas VoiceOver qui va vous lire l'explication, c'est moi, parce que ça va être plus simple. Alors, le synthétiseur logiciel résident dans Sweet MIDI Player utilise un format sonore appelé DLS SF2. Donc entre parenthèses, son téléchargeable. DLS SF2 est une famille de formats de Je continue l'explication parce que là, effectivement, c'est une autre ligne. Donc DLS SF2 est une famille de formats de fichiers normalisés pour les banques de sons numériques d'instruments de musique, entre parenthèses, collection de programmes virtuels d'instruments de musique. Fermez la parenthèse. Je continue. Vous pouvez télécharger d'autres fichiers DLS SF2 pour obtenir une meilleure qualité du son. Info supplémentaire. Je continue. Voir plus au sujet des fichiers DLS SF2 sur le site Rony Music. Et là, c'est un lien. Et là, vous allez tomber sur le site sur lequel vous pouvez télécharger quelques banques de sons. Voilà, c'est tout ce qu'on a dans cette fenêtre-là. Donc en fait, quand vous téléchargez de Safari, quand vous allez avoir un lien avec la banque de sons, vous allez cliquer dessus, Safari va vous demander si vous voulez télécharger le fichier. Donc il va télécharger, il va se trouver dans votre dossier téléchargement. Alors en fonction des réglages de Safari, alors soit il va télécharger dans le dossier téléchargement qui se trouve sur votre iPad, soit il va télécharger dans le dossier téléchargement sur iCloud, selon les paramètres que vous avez définis dans les réglages de Safari. Moi, personnellement, j'ai fait en sorte que mes téléchargements soient directement dans le dossier téléchargement sur mon iPad. Et j'ai fait pareil pour l'iPhone d'ailleurs. Parce que pour peu que le fichier soit des gros fichiers, le temps qu'il télécharge sur iCloud et tout ça, enfin bref, c'est un peu... voilà. Donc, on va repartir sur l'en-tête fichier DLS SF2, nous. Explication en tête. DLS SF2 Files en tête. Et alors, je vais vous montrer comment changer de banque de son. Donc, comme je vous ai dit, on va sélectionner notre banque de son pour que vous puissiez comparer le morceau quand la musique est bonne avec une autre banque de son. Je vais sélectionner, par exemple, Arachno Soundfond. Default. Arachno Soundfond, version 1.0. Voilà, donc je valide. Sélectionner Arachno Soundfond, version 1.0. Je vais au début de l'écran. Réglage, bouton de retour. Donc sur réglage, bouton de retour. Réglage, en tête. Et je vais sur terminer. Terminer, bouton. Voilà. Sélectionner quand la musique bridge sub, bouton. Si vous vous souvenez de l'épisode précédent, je vous avais montré les raccourcis principaux pour pouvoir naviguer dans l'application. Je vous avais dit dans l'épisode précédent que si vous voulez utiliser les raccourcis clavier, c'est l'onglet et fichier qui doit être sélectionné. Sinon, au lieu de ça, pour lancer la lecture, eh ben vous allez à droite sur Play Pause. C'est ce qu'on va faire du coup pour éviter de changer d'onglet. Play Pause, bouton. Play Pause. Je baisse un petit peu hein, parce que c'est un peu fort avec ça. Voilà, donc je l'arrête. Alors en fait, j'avais dit que l'onglet fichier doit être sélectionné pour pouvoir utiliser les raccourcis. Mais des fois, ça peut être aléatoire parce que là, j'ai pu arrêter le morceau avec le raccourci point-virgule. Donc ça peut arriver des fois que... Et ça, je les découvre en même temps que vous. Ça peut arriver des fois que les raccourcis fonctionnent et ça peut arriver que ça ne fonctionne pas. Mais c'est vrai que moi, ce que j'avais remarqué depuis le début que j'utilise l'appli, c'est que pour être sûr que certains raccourcis fonctionnent, il faut être sur l'onglet fichier. Mais bon, apparemment, ça peut fonctionner aussi si on est sur d'autres onglets. Mais il y a des fois où ça peut ne pas fonctionner non plus. De toute façon, vous essayez. Si vous voyez que les raccourcis fonctionnent quand vous essayez les raccourcis, eh ben c'est très bien. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas,
pour lancer la lecture, par exemple, si vous voyez que la touche espace ne fonctionne pas, et ben vous allez sur le bouton play pause et vous allez pouvoir lancer la lecture du morceau. Donc voilà un petit peu pour ce que je voulais vous montrer concernant le son de fond. Alors je vais maintenant vous montrer comment lire ce fichier sur le Genos à partir de l'appli. Là, il faut aller dans réglages. Ajouter bouton. Index de section ajustable. Barre d'outils aide bouton. Sélectionner fichier bouton. Playlist. Mixeur. Parole bouton. Réglage bouton. Voilà, je valide. Réglage en tête. Et là, donc on va se déplacer par en tête. Et donc, on va aller sur son. Achaina en tête. Appearance files barodie playlists en tête. Appearance mix et barodie appearance various lecteur en tête. Son en tête. Voilà, donc on va à droite. Type de sortie, logiciel interne du synthétiseur, bouton. Voilà, donc le type de sortie sélectionné actuellement, c'est logiciel interne du synthétiseur. Par contre, si on veut changer de sortie, il faut aller sur Core MIDI. Donc on va valider là-dessus. Sélectionner logiciel interne du synthétiseur. On va aller à droite sur Core MIDI. Core MIDI. Voilà, je valide. Sélectionner Core MIDI. Et là, je vais aller à droite. Après avoir sélectionné. Donc là, je vais lire ce que VoiceOver allait vous dire. Donc après avoir sélectionné Core MIDI comme sortie, vous devez également sélectionner un Core MIDI device dans la vue précédente des paramètres. Donc là, il va falloir retourner pour choisir qu'est-ce que vous allez utiliser comme sortie Core MIDI. Réglage, bouton de retour. Voilà, donc là, je me suis mise au début de l'écran. Sur réglage, bouton de retour, je valide. Réglage, réglage, en tête. Évidemment, il m'a remis sur l'en-tête réglage, donc au tout début de l'écran. Donc on va se redéplacer par en tête jusqu'à entendre son. Achaina, en appearance, appearance, mix, appearance, various, lecteur, son, en tête. Voilà, je vais à droite. Type de sortie, Core MIDI, bouton. Et là, vous allez à droite, et donc vous allez entendre ça. Sortie MIDI, réseau session 1, bouton. Alors là, il me dit sortie MIDI, réseau session 1. Donc je valide et je vais changer. Donc là, comme le Genos est aussi branché sur l'iPad, je vais valider. Périphérique, en tête. Et on va choisir comme périphérique. Le Genos, c'est Digital Workstation. Alors, il y a port 1 et port 2. Donc, nous, on va choisir Digital Workstation port 2. Sélectionner réseau session 1, network port R192.14. Alors, ça, c'est ma carte son. Digital Workstation port 1. Digital Workstation port 2. Voilà. Et donc, on valide ça. Sélectionner Digital Workstation port 2. Donc, on va sortir de là. Réglage, bouton de retour. Réglage, réglage, en tête. Je fais terminer. Terminer, bouton. Sélectionner quand la musique Bridges sub, bouton. Et donc là, on se remet au début du morceau. Alors, il faut savoir que à chaque fois que vous changez, que ce soit de banque de son ou de sortie, là par exemple, vous passez du logiciel interne au Core MIDI, donc à la lecture sur le clavier, là, pour le coup. Après avoir fait ça, en fait, il faut que vous remettiez le morceau au début si c'est pas le cas. Sinon, il va faire une lecture un peu bizarre. Donc, on va baisser un petit peu la carte son et on va lire le fichier. C'est parti. Là, voilà, vous entendez sur le Genos la lecture. On va baisser un petit peu la carte son quand même. Voilà, je l'arrête. Et voilà. Je vais maintenant vous montrer qu'on peut utiliser Suite MIDI comme module de son. Donc en fait, pour ça, je vais repartir dans les réglages. Ajouter bouton. Index de section. Barre d'outils. Aide bouton. Sélectionner fichier. Playlist bouton. Mixeur bouton. Parole bouton. Réglage bouton. Voilà, je valide. Sélectionner quand la musique est bonne. Réglage en tête. Et là, je vais retourner sur son. Achaina en tête. Appearance file. Appearance. Appearance. Lecteur en tête. Son en tête. Voilà, je vais à droite. Type de sortie, Core MIDI, bouton. Voilà, donc là, type de sortie Core MIDI, il faut valider pour choisir. Logiciel interne du synthétiseur. Voilà, logiciel interne du synthétiseur, donc je valide. Sélectionner logiciel interne du synthétiseur. Et là, on va... Réglage, bouton de retour. Se remettre au début de l'écran, donc je valide. Réglage, réglage, en tête. Forcément, il me remet au tout début de l'écran. On va aller dans autre chose dans les réglages, parce qu'il va falloir sélectionner
le Genos comme entrée MIDI pour pouvoir jouer avec le fichier MIDI sur le Genos. On va aller sur autre réglage, toujours par en tête. Donc c'est au-dessous de son en fait. Autre réglage en tête. Voilà, donc je vais à droite. Searching, current folder, entrée MIDI, aucun appareil sélectionné, bouton. Voilà, donc là il vous dit entrée MIDI, aucun appareil sélectionné. Donc on va valider là-dessus. Usage en tête. Donc il dit usage, mais en fait c'est usage. Bon, des fois VoiceOver il lit les mots français à l'anglais, mais bon, ça voilà. C'est comme ça. Donc là, il y a remote controlling. Vous pouvez utiliser le périphérique MIDI que vous allez sélectionner comme contrôleur. Donc remote controlling. Ou sinon sélectionner sound module. Sound module qui est sélectionné. Alors, il faut savoir que ce qui est sélectionné par défaut, c'est remote controlling. Mais moi, j'avais déjà mis sound module. Parce que j'avais déjà testé avant ça, comment ça fonctionnait en tant que module de son. Donc forcément, j'ai sélectionné sound module. Je continue. When usage is set to sound module, dear Primer Care Software, Saint Installer. Alors, on vous dit, when usage is set to sound module, the app will work as a software synth instead of a player. Donc, en fait, on vous dit que si vous sélectionnez module, vous allez pouvoir utiliser l'appli comme module de son au lieu d'un contrôleur. Voilà, donc je continue. Périphérique, en tête. Alors, donc, on va choisir le périphérique. Sélectionné, non disponible. Voilà, donc non disponible. Donc, nous, on va choisir. Réseau session 1, network port 5004, R192.14, digital workstation port 1. Voilà, et là par contre, autant pour la sortie c'est digital workstation port 2, pour l'entrée c'est digital workstation port 1. Vous avez que cette option là de toute façon pour l'entrée. Sélectionnez digital workstation port 1. Voilà, faut savoir que vous pouvez aussi utiliser un clavier maître Bluetooth dans cette application. D'ailleurs, si vous entendez après, il vous dit Bluetooth MIDI en tête. Voilà, Bluetooth MIDI. Périphérique, sélectionnez bouton. Voilà, et là, il vous dit périphérique sélectionné, parce qu'il n'y a rien de sélectionné, donc c'est sélectionné ER, hein, pour vous préciser ça. MIDI TRU en tête. Et après, le reste, on n'y touche pas. MIDI TRU, tout ça, je ne vais pas vous montrer tout ça, parce que ce n'est pas le but de cet épisode. Donc, on va sortir de là. Réglage, bouton de retour. Réglage, réglage, en tête. Terminé, bouton. Je valide. Sélectionné, quand la musique bridge sub, bouton. Et là. Voilà, donc. Si vous entendez, c'est le son du premier canal qui est sélectionné par défaut. Donc, c'est le piano électrique. Alors, je vais vous faire une petite démo. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la piste de la mélodie, donc qui est la flûte. Et je vais, par exemple, faire la mélodie, moi, à la place de la flûte, au clavier pour vous illustrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc, pour faire ça, on va partir dans Mixeur. Ajouter bouton. Index de section ajustable. Barre d'outils. Aide. Sélectionner. Fichier. Playlist. Mixeur. Bouton. 3 sur 4. Je valide. Sélectionner. Mixeur. 3 sur 4. Je me remets au début de l'écran. Bridge sub. Bouton. Et on va muter le canal 4, donc qui est la flûte. Donc je fais une recherche VoiceOver. Saisissez le texte à rechercher. Je tape Mute. M-U-T-E. Entrée. Mute Channel 1, off. Mute Channel 2, off. Mute Channel 3, Mute Channel 4, off. Voilà. Donc là, il dit on. Alors, ce qu'on va faire, parce que, comme vous pouvez l'entendre, comme le fichier d'origine est assez fort, il se trouve que ça sature un peu avec cette banque de son-là. Donc, on va rechanger de banque de son. Comme ça, ça sera mieux pour vos oreilles aussi, et pour les miennes aussi, par la même occasion. Donc, on va retourner sur réglage, on va changer de banque de son, mais là, pour le coup, je vais faire ça moi, donc je vais désactiver VoiceOver, parce que vous n'avez pas besoin d'entendre tout ça. Donc, je vais me remettre dans réglage, et je vais changer de banque de son, je vais remettre sur Fluid R3GM. Voilà, parce que là-dedans, ça saturera moins. Alors là, forcément, comme j'ai changé de banque de son, et ben forcément, le son du piano électrique, c'est pas le même non plus. Donc, du coup, vous avez ça comme piano électrique maintenant. Voilà. Là, je vais faire la mélodie avec ce piano. Donc, je vais lancer le morceau et je vais faire une partie de la mélodie. C'est pas le but de jouer tout le morceau.
Voilà, je l'arrête. Voilà. Alors, veuillez m'excuser, le fichier MIDI est plus fort que ma mélodie au piano, mais là, pour le coup, je ne peux pas le baisser. Ici, il y a un moyen pour le baisser dans les réglages, mais là, il aurait fallu le faire. Il y a un curseur pour baisser le volume du fichier. Mais enfin, bon, je ne vais pas recommencer en rebaissant le volume. Mais voilà, c'était surtout pour vous montrer qu'on peut jouer avec les sons de suite MIDI. Ben voilà, bon, ben écoutez, ben j'ai terminé pour cet épisode. Et c'est terminé aussi pour cette série. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions supplémentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur YouTube. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez trouver ces épisodes sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker ou à laisser des commentaires. Si vous voulez suivre tous les épisodes, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast La Famille.